Coucou guys, donc it's me. Ok, vous voyez, j'ai exactement la même tenue que dans une vidéo. C'est normal, c'est la suite de la vidéo. J'étais en train de nettoyer avant de passer à autre chose et je me suis dit pourquoi pas vous montrer. J'ai fait des petits achats skincare. Mon problème avec moi, c'est que quand j'aime un produit skincare ou whatever, j'arrête. Mais j'ai comme des produits à tester. Like, girl! Bref, fait que je suis passée au Walmart, ok? Je voulais juste acheter un truc, mais finalement j'en ai... En fait, deux trucs, mais finalement j'en ai acheté deux autres. Bref. Ok, ici, ce fameux gel. Je mets comme ça parce que là, avec la lumière, c'est juste parfait avec le ring light. Ok, dans le fond, c'est un gommage. C'est un gommage à la... C'est saveur de pomme grenade. Et sérieusement... Ok, si vous n'aimez pas ça quand vous exfoliez puis que ça soit trop difficile ou que ça soit des gros grains trop importants et tout, moi je vous dis celui-là de chez Dove est juste parfait parce que c'est un peu creamy. C'est une crème, mais il y a quand même des petites... Oh my god, désolée. Il y a quand même des petites grains à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir maintenant. Ah oui, vous le voyez. Ils sont super bons, by the way. Ils sont vraiment, vraiment bons. Oh, ils sont vraiment bons. Puis je pense qu'ils ont reformulé. Oui, ils ont reformulé le tout parce que ça, ils ont mis... Ok, c'est ça. Ils ont mis shea butter. Ok, ok. Donc, ils sont bons. Ils sont vraiment bons. Comme si vous voyez ça, guys. Je vous l'ai dit. Après ça, vous pouvez pas dire que je vous l'ai pas dit parce que là, je vous dis. Genre, oh my god, ils sont vraiment bons. Lui, puis l'original, le bleu, là. That's crazy. Genre, j'arrête pas de les racheter. J'arrête juste pas. J'arrête pas. J'arrête pas. Ok. Après ça, vous le savez, mon amour pour le fameux Olé. Celui-là, en plus, qu'est-ce qui est bon, c'est qu'il a... Il contient de l'acide hyaluronique. Donc, c'est juste parfait pour tout ce qui est hydratation. Donc, on entend acide hyaluronique vraiment pour tout ce qui est soin de peau pour le visage, mais là, vous l'avez pour votre corps. Donc, forcément, vous savez que ça permet d'hydrater votre corps. Guys, this is everything. Ok? Après ça, j'ai acheté deux produits, mais c'est juste comme... C'est juste vraiment des body mist. Et celui-ci, il était à... 6$ et quelques sous, ça la vanille. Je trouve que ce Bunny Beast-là, je sais pas pourquoi, mais l'odeur reste quand même assez imprégnée. Que je le mets sur mes vêtements ou que je le mets sur mon corps, je trouve qu'il reste quand même assez pour un... Parce que ça, c'est pas un parfum, right? C'est vraiment comme une brune parfumée. Donc, normalement, les brunes parfumées ne tiennent pas vraiment. Celle-ci, excusez-moi, je l'ai pas précisé. Celle-là, c'est Vanilla. Donc, vanille. Et l'autre, le plus petit, il était à 2, quelque chose ou 3. Et celle-là, c'est Pink Vanilla Kiss. OK? So, lui, je vais juste me le mettre peut-être plus de ce côté-là. Oh! Lui, il sent vraiment comme... Oh my God! Lui, là, il sent les fleurs, il sent l'amour, il sent la joie. Ça, là, celui-là, il est sexy. Il est vraiment sexy. Ouh! C'est les deux achats que j'ai fait au Walmart. Jean Coutu, rapido presto, c'est encore tout ce qui est skincare parce que vous savez, là, depuis la COVID, je suis vraiment skincare, les bains, les tout. Ok? So, après ça, un fameux Dove. Celui-ci, c'est, je vois la coco. Dorlotte, édoucit la peau. C'est, ok. Coconut butter, donc c'est. Le beurre, my god, coconut butter. On va laver. Mais vous comprenez, coconut butter, right? Ok, après ça, c'est cocoa, donc le cacao, right? Butter too, ok? Donc c'est... On sent vraiment le chocolat. Mais pas trop, tu vois, c'est comme... Puis c'est fresh. Ok, j'arrête. Ok, guys. Celui-ci, il était comme à 3 et quelque chose. C'est pour un format de 354 ml. Mais pour vrai, guys, ils sont super bons, ok? Je sais que j'avais l'air, mais ils sont vraiment bons. Genre,
Il sent vraiment bon. Je pense que c'est lui que j'ai utilisé ce soir. Okay, ouais. C'est lui que j'ai utilisé ce soir. Après ça, parce que vous savez, tout ce qui est fraises, guys, puis Olay est la seule gamme à grande surface, à part Bath & Body Works, que je peux trouver les odeurs de fraises. Si vous en connaissez d'autres ailleurs, dites-le moi, mais comme... 5,99. Oh, c'est combien d'ml? 364 ml. Après ça, un petit déo. Il y a de l'aluminium. Mais je vais le mettre dans mon sac parce que là, je vais commencer à faire beaucoup d'aller-retour de la maison et le travail. Donc, c'est juste parfait. Maison, travail, stage. C'est juste parfait, parfait, parfait. J'ai pris un autre déo. Ça, c'est nouveau. J'ai vu sur une chaîne qui me fit. Il y avait plusieurs youtubeuses américaines qui arrêtaient pas d'en parler. Elles disaient que c'était vraiment bon. Puis que cela était sans aluminium. Puis c'est écrit ici le haut là que vous voyez là. Ben, c'est pour zéro aluminium. So, je sais pas de quelle façon je peux mettre pour que vous puissiez bien voir, mais c'est comme zéro aluminium. Ok, là vous le voyez. Yeah. Puis j'ai pris l'odeur concombre et green tea. Parce que ça faisait longtemps, je sais pas pourquoi. Je sais pas si vous en rappelez. Oh, une minute. Back then là, oh, quand nous étions plus jeunes, il y avait les fameux brunes corporelles de Dove. Si je le retrouve dans un de mes trucs, je vous jure, je vous le montre. Oh oui. J'adorais tellement cette odeur-là, concombre. Mais je sais pas pourquoi, quand je l'utilise juste sous la douche, c'est comme pas assez, genre. Mais ils avaient vraiment, à l'époque, des brunes corporelles qui venaient avec, avec les déos. Ben, qui venaient. Ils les sortaient en même temps, fait que tu pouvais avoir le déo et la brune corporelle à la même odeur que ton déo. Ça faisait pas trop parce qu'on dirait que ça allait dans la même, tu vois, la même odeur. Donc c'était juste parfait. Puis tu sais, la brune, une brune, c'est pas intense, c'est pas un parfum. C'était juste parfait. Ils l'ont discontinué. Il y avait celui-là, concombre. Il y avait elle à la... Je pense que c'était pêche, si je me trompe pas. Puis elle avait une autre, mais je sais qu'il y avait trois sortes. Oh my god, c'était la vie. Je me rappelle quand j'étais au secondaire, là, tout le temps, comme après, comme le sport, ou, tu sais, juste pour me rafraîchir et tout, c'était vraiment le truc par excellence, puis ça coûtait vraiment pas cher. Fait que, tu sais, quand t'es étudiante, tu veux un petit budget, mais tu veux juste sentir frais, mais pas trop intense. Oh, ça m'a tellement... Je vous jure, je sais pas pourquoi ils l'ont discontinué. Dove, what's up? Si tu m'écoutes aujourd'hui, il va falloir que tu les remets, parce que, sincèrement, au pire, mais une édition limitée, mais c'était comme le truc, oh... En tout cas, whatever. C'était doucement. J'ai racheté ces fameuses lingettes-là. Je vous ai parlé dans la fameuse vidéo, tout ce qui a rapport avec l'hygiène féminine, les tampons, les serviettes, quoi faire, quoi ne pas faire, etc. J'en ai racheté parce que eux, ce que j'aime, c'est que ça me fait vraiment bien. J'ai zéro problème. Puis en plus, ils sont biodégradables. Je me trompe pas. Non, excusez-moi. Excusez-moi. Pas biodégradable. Oui. Bref, c'est pas biodégradable. Elles disent dans le fond qu'elles sont faites à partir de coton 100% bio. Donc, oui. Excusez-moi, je pense que j'ai dit biodégradable. Je ne vais pas vous donner des fausses informations. OK, après ça, c'est des choses vraiment comme par rapport, là, mais j'ai pris deux petits chocolats. Des Hershey. Celle-là, c'est à la fraise. Est-ce que vous comprenez mon amour pour la fraise? OK, j'arrête. Ça fait too much. Après ça. J'étais dans un autre jonctu parce que mon jonctu, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai comme ni. Je parle vite, ok? Parce que j'essaie de faire vite en même temps parce que je vois l'heure que c'est comme oh my god. Ok, j'ai acheté une petite cuillère pour pouvoir prendre mon thé vert parce que c'est dans un comme un gros pot. C'est un pot asiatique. Je vais dire chinois, mais je sais pas si c'est vraiment chinois, c'est asiatique. Puis ça va me permettre d'arrêter de me mettre des morceaux de thé vert dedans. Donc je vais pouvoir prendre ça. C'était comme 4$. Guys. Ok, ça c'est juste nostalgique là. C'est juste pas nécessaire. Mais ça me tentait de le prendre donc je l'ai pris. Après ça, je me suis pris des stylos. Ok, parce que retour au bureau et des trucs comme ça. Comme c'était 4$. Il y a toutes les couleurs. J'adore ces stylos là. De Paper Mate. Je sais pas. Je les adore. Il y a toutes les couleurs dedans. Je les ai déjà à la maison, mais. Je voulais les mettre pour ailleurs, tu vois, quand t'es pas à la maison, you know? Ok. Ok. Après ça, c'est des trucs quand même assez intéressants. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'était à la caisse, par exemple. Mais c'est un truc comme ça, ok? Mais c'est vraiment une lampe de poche. Fait que là, regardez.
Ok, je me crois super cool. Fait que là, je vais les mettre. J'essaie de trouver une façon. Je vais l'accrocher où est-ce qu'il y a mes clés. Parce que moi, parfois, où est-ce que j'habite, c'est super noir. Ou j'arrive pas à rentrer mes clés pis tout parce que je vois pas. Fait que. Ça aussi, c'est genre 3 piastres là. Genre, tu sais, à côté des caisses. Ok, ce qui était vraiment important, vraiment, vraiment important, parce que oui, je parle de skincare, mais je vais aussi parler de self-care aussi. Donc, en ce moment, vraiment manque d'énergie, guys. Donc, c'est ce que je prends, ça fait vraiment, vraiment plusieurs années. En fait, c'est ma mère qui nous a toujours appris à en consommer. C'est de Agrin Gagnon. Ils disent, dans le fond, que c'est que ça permet de booster l'énergie. Et c'est des comme des genres de petites capsules, ok? Donc, vous en prenez un seul, si je ne me trompe pas. C'est ça. Fait que c'est juste pour booster mon énergie. J'en ai besoin. Je suis fatiguée. J'ai beaucoup de choses à faire. Je vais poser le téléphone parce que j'ai vraiment mal. Oh, excusez-moi. J'ai comme vraiment mal au bras, là, de vous tenir comme si c'était un selfie tout le temps. Fait que c'est ça. Fait que là, j'avais vraiment envie de, comme, prendre le temps de vous montrer tout ça parce que ça va peut-être aider vu que aussi il y a la rentrée, l'école, le back to school ou ceux qui sont à l'emploi. C'est toujours pratique d'avoir ce genre de trucs là. Ça se transporte vraiment bien. C'est en plastique, c'est pas dangereux, c'est pas en vitre. Donc vous prenez un cup, vous le cassez, vous le buvez, vous le jetez ou le recyclez plutôt parce que c'est quand même recyclable. Donc c'est ça, ça fait un goût bizarre. C'est juste correct là, c'est pas. Je sais pas, parce que ça fait des années que je le prends. Je le prends vraiment quand j'en ai vraiment besoin. Surtout quand j'avais des grosses études, où j'avais vraiment, vraiment besoin. Quand j'étais à l'école, tout le temps, ma maman m'en achetait tout le temps. Elle s'assurait tout le temps d'avoir nos vitamines et tout. Mais là, on n'est plus des bébés, bien évidemment. Mais ce que nos parents nous ont appris, veut pas, c'est très important. Si c'est des parents qui m'écoutent, ce que vous apprenez à vos enfants, ils vont le faire. Comme moi, ma maman me l'a pas dit aujourd'hui, j'ai exactement repris la même marque, la même affaire qu'elle m'a dit. Il y a d'autres sortes. Mais je prends même pas les autres sortes. Tellement je vous dis que ce que vous apprenez là, c'est fort. Donc je vais juste vous le dire. Par la suite, on va pouvoir conclure la vidéo bientôt. J'ai trouvé ces fameux gummies là. Je suis vraiment contente. Ben contente. Contente et pas nécessairement vraiment contente comme oh my god. Mais je voulais les tester parce que je les avais vus au Sephora. Puis j'avais entendu des bons commentaires dedans, dessus. Et j'avais aussi reçu dans ma box un money avec... BoxyCharm, mais vous savez, maintenant je suis plus avec BoxyCharm, donc je me suis dit why not. Puis en ce moment, je vais pas vous mentir, ça fait un bon petit bout que je vis une petite peur de stress parce que là, je suis en fin de parcours pour qu'est-ce que je fais. Et école, stage, c'est travail, si t'as travail, whatever, et le quotidien. Donc je me suis dit, je vais vous parler de ça parce que c'est peut-être vraiment bénéfique pour n'importe qui en fait. Je vais même vous reparler de ça dans une autre vidéo en cas où que. On sait jamais, right? Puis en plus, j'aurai le temps de m'en manger un peu plus, fait que je vais pouvoir plus vous donner par rapport à ça. Donc, c'est des fameuses gummies. Puis moi, j'adore les gummies. Je préfère mieux les gummies que les capsules. Plutôt, eux qui ont la petite peau blanche, là. Maintenant, je suis rendue nausée. Les petites capsules, c'est pas super, mais les eux, là, avec les petits... Oh, whatever, c'est pas important. Bref, la première chose que je vais absolument vous montrer, c'est les fameuses gummies ici, qui sont les gummies qui sont on peut dire comme ça, anti-stress. Donc, elles permettent de diminuer le stress ressenti. Donc, vous en avez 42. Donc, on sait que dans un mois, il y a 30 jours. Donc, ça vous donne un peu le décompte. J'ai pas regardé si vous devez en prendre deux fois par jour ou whatever. J'ai pas regardé la posologie, je vais pas vous mentir. Non. Ok. Bon, mais ça doit vraiment être un seul. Oh, vous prenez deux. Et pour adultes, ils disent de prendre deux gummies par jour. Ok? Je viens de prendre le temps de le lire. Deux gummies par jour. Ça m'a coûté, je pense à peu près c'est 17. Oh, j'en coûte dessus toujours. Celui-ci est un peu plus gros. Donc, c'est les gummies multi pour femmes. Donc, souvent les multi, il y a un avantage et des avantages. Le désavantage, c'est que dans le fond, il y a moins de concentration de vitamines et minéraux que vous avez réellement besoin. L'avantage, c'est qu'au moins, vous prenez toutes un seul. Donc, si vous n'avez pas le temps de prendre... Ah ça, je vais prendre le zinc, je vais prendre la B12, je vais prendre ci, je vais prendre ça. Vous n'avez pas le temps. Ben, c'est mieux de prendre une petite quantité que rien du tout. Donc, ça, c'est quand même un petit avantage. Donc, c'est pour ça que moi, je l'ai pris. Puis, je voulais
le tester, bien évidemment, parce que j'en ai entendu parler comme... Je vois, c'est vraiment comme que c'est nice, là, ou que ça fait des effets. Donc ça, encore une fois, vous avez toute la liste des bienfaits que ça vous procure. Écoutez, vous avez vitamine A jusqu'à vitamine E, vous avez de la B2, la B6, la B12, vous avez de l'iode, du zinc, vous avez chlore, glycinate de niconitane, de chlore, de chrome, excusez-moi, 3. Il y a vraiment beaucoup de choses, je ne sais même pas c'est quoi. Je lis quelque chose, je ne sais même pas c'est quoi. De la citrate de bore, vous avez de la vitamine C, de la phosphore, calcium, sélium. Bref, vous avez beaucoup de choses dedans, donc c'est vraiment nice. Et vous avez 90 gommées. Donc ici, on va voir la posologie juste pour voir. Dans le fond, pour les adultes 18 ans et plus, ils disent de prendre 2 jujubes par jour. Il faut que vous le preniez, par exemple, quelques heures avant ou après la prise d'un autre médicament. Souvent, c'est ce qu'il faut faire attention. OK. Celle-là, ils disent de prendre avec de la nourriture. L'autre, il s'était pas spécifié de le prendre avec de la nourriture, par exemple. Donc, pour le stress, pas obligé de prendre de la nourriture. Mais pour les gommés multi, conseillé de prendre avec de la nourriture, qu'ils disent. Donc, voilà. Pour terminer le tout, je vous laisse juste une minute avec vous. Eau de l'eau! J'en ai acheté 2 tellement que j'ai abusé, là. Sérieusement, gars, j'ai vraiment exagéré. Les fameux Febreze, genre, cette sorte-là, là, is everything. En tout cas, pourquoi je vais prendre le temps de vous montrer le tout? C'est souvent, on a tendance à ne pas trop aérer la maison, laisser les choses toutes comme coincées. Ça sent que c'est comme l'humidité qui a été prise dans nos vêtements ou quoi que ce soit. Ou juste pour aérer la maison, ça fonctionne autant... sur les vêtements, donc tissu, que ce soit le canapé ou de votre chambre ou les vêtements. Vous pouvez aussi le mettre dans là si vous voulez. Mais moi, c'est vraiment au niveau des tissus que je l'ai acheté. Puis je suis super contente parce que j'aimais vraiment cette odeur-là. Donc là, j'en ai 2. Et je trouve que c'est pratico-pratique aussi. Parfois, juste un coup de refresh. On va pas se mentir, on va dire des vraies affaires. Parfois, on met une tenue, par exemple, j'ai mis un pantalon aujourd'hui. J'ai pas salé mon pantalon ou quoi que ce soit. Dites-moi pas non parce que je sais que vous le faites. Parce que parfois, je le fais aussi. Fait que dites-moi pas non parce que je sais que c'est pas vrai. Ok, parfois, on a tendance à verbaquer, mais il est pas sale ou je l'ai porté quelques heures. Je vais pas le mettre dans mon bac sale ou dans le whatever, ok, à laver. Donc, pour donner un petit coup de... Tu vois, vous pouvez aussi utiliser ça. Je vous dis pas de faire ça si vous savez que ça sent pas les roses, là, ok? Mais on sait, bon, parfois, je vais juste faire un petit sortie à le retour, une petite sortie. J'ai vraiment pas taché ou je laisse aller au dépanneur ou whatever. Je vais pas commencer à mettre ça dans le bac sale pour pouvoir le mettre à faire laver. Non. So, ça m'aide aussi pour rafraîchir aussi tout ce qui est drap, couverture. Bref, si vous voulez garder votre milieu propre, intéressant et tout. Puis encore une fois, quand je parlais de self-love, self-care, skin-care. Mais tout ça, c'est des petits trucs au quotidien que vous pouvez faire. Puis c'est pas juste pour vous, c'est aussi pour les autres. C'est agréable. Donc, ça ne remplace pas, je tiens à le mentionner, ça ne remplace pas se laver et laver vos vêtements, guys. Ça, c'est juste un petit coup de refresh. C'est juste un petit coup de, tu vois, pour donner un... Mais ça ne remplace pas le nettoyage complet. Que ce soit de vos personnes ou de vos vêtements. Non, mais parce qu'il faut que je le mentionne, parce que je veux pas que ça soit comme... La fille sur YouTube, elle a dit... Non. OK? Au contraire, j'ai commencé la vidéo en vous parlant de tout ce qui était pour... sous la douche et tout. Donc, j'ai assez blablaté, j'ai assez parlé. Je vais montrer mes quelques achats que j'ai faits aujourd'hui, en fait. Donc, je vais partager le tout parce que je trouve que c'est pratico-pratique. En plus, les gommes anti-stress, ça tombe tellement à pile parce que c'est vraiment comme pile poil ce que j'ai besoin live. J'ai trop d'affaires, j'y arrive plus puis tout, fait que c'est juste parfait. Donc encore une fois, merci d'être là, merci de liker la vidéo, ça prend quelques secondes pour vous puis pour moi c'est énorme. C'est gratuit de faire ça, de juste like, de dire yo girl, you kidding, comme oh je vais voir ça aussi, thanks pour la vidéo, j'ai vraiment apprécié. Des petits mots comme ça d'encouragement, on fait ça entre nous, on est une famille après tout. So, merci pour ça. Encore une fois, je tiens à remercier ceux qui sont là, qui me soutiennent, qui étaient là depuis le début jusqu'à la fin. Ceux qui viennent d'arriver,
bienvenue dans la team family. C'est juste en bas ici pour vous abonner. Et surtout, surtout, ce qui est très important, c'est prenez le temps de prendre soin de vous et votre entourage. Mais on va se dire encore une fois, entre moi et vous, prenez first le temps de prendre soin de vous. Si on ne vous l'a pas dit aujourd'hui, je vous aime, je vous apprécie. Vous êtes beau, belle, forte, intelligente, vous allez dead. Ceux qui vous ont dit que vous n'allez pas dead, juste parce qu'ils vous l'ont dit, vous allez dead, ok? So, sur ça, nous, on se laisse. On se lève avec une belle énergie, avec un bon vibe. Et n'oubliez pas, on va se voir dans une prochaine vidéo. So, restez là, hein? Restez là, moi, je vous vois dans une prochaine vidéo, guys. Bye!